Bonjour à tous, nous sommes lundi 21 juin 2021, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika, c'est parti pour une petite vidéo à action de Créteil. Ah oui, j'oublie à chaque fois de vous le demander, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc si le mot s'abonner est en rouge et que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Voilà, alors on commence par le rayon peinture avec cette petite nouveauté. Je vous l'ai montré, je crois, la semaine dernière, mais je ne l'avais pas revu. Donc c'est un lot de plusieurs tubes de peinture basique ou pastel. Donc c'est 4,59 le lot. On a ces petits pinceaux aussi. Alors j'avais vu ceux-là, mais pas ceux-là. Ils sont à 84 centimes. Je regarde, c'est juste la couleur ou c'est le type de pinceau. Il y a de la peinture aussi pour le textile. C'est très tendance en ce moment, enfin chaque année ça revient en été en général, de faire, vous savez, des t-shirts tie and dye. 1,99€, il y a 6 flacons. On peut personnaliser les t-shirts, mais aussi des têtes d'oreiller, des sacs en textile, etc. Tiens, des nouvelles lanternes en bambou, ouais. À 7,95€. On en avait eu déjà des un peu similaires. Donc là, il y a le photophore en verre. 7,95€. Les photophores naturels déco. Alors la dernière fois, je regardais, je sais pas, moi j'adore les séries un peu sur TF1, France 3 et tout ça. Et ils avaient sur une des tables de leur jardin ce genre de photophore. Il me semblait que c'était celui-là et je dis, ah tiens, peut-être qu'ils vont chez Action, mais pas du tout, parce que en fait c'est des photophores qui sont très tendances, qu'on peut retrouver dans d'autres enseignes, pas forcément au même prix, mais en tout cas on les a ici, 1,89€. C'est pas une nouveauté, mais à Action vous pouvez trouver aussi cette horloge en forme de vélo à 7,95€. Alors hier je vous ai montré ce cache-pot doré, et ceux et celles qui ont vu ma vidéo hier, j'étais très hésitante parce qu'en fin de compte, moi j'en ai un comme ça que j'ai acheté il y a quelques mois, et j'étais en train de penser à ce que j'avais à la maison, je me dis c'est le même, c'est pas le même, c'est le même, c'est pas le même, et puis du coup arrivé à la maison, et ben non pas du tout, c'est pas le même. Ceux qui sont sortis il y a quelques mois, ils sont complètement lisses et ils sont un peu plus petits, et celui-là, vous voyez, il a un effet martelé. Alors ils sont à 2,99€. Je pense que c'est un cache-pot qui va avoir aussi du succès, parce que je sais que vous êtes pas mal à l'utiliser comme vide-poche, pour mettre les ustensiles à table, etc. Ils sont à 2,99€. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est un peu plus joli que le mien. Mais bon, je vais résister, je vais pas me prendre un deuxième. En fait, le doré, il est un peu plus clair que ceux que j'ai à la maison. Celui-là, il a des petits pieds. Il leur reste des coussins comme ça avec les feuillages verts, 8,95€. Et alors je vois ce qui est sympa, on a les housses de coussins. Alors il n'en reste qu'une, mais peut-être que dans votre action vous allez en trouver plusieurs. Et je trouve que ça peut être sympa de prendre, de recouvrir des petits coussins et de prendre des grands, et vous voyez, de mélanger un petit peu. 8,95€ et 2,99€ la housse de coussin. On a plusieurs feuillages, hein, les petits feuillages, les plus grands. Il leur reste encore ces bonbonnières, enfin, ou plats. C'est un plat plutôt. Avec le couvercle, 3,99€. Alors hier, dans ma vidéo, je vous avais promis en fin de vidéo de vous montrer ces petites bonbonnières. Et en fait, en fin de vidéo, j'oublie. J'avais la tête ailleurs et j'ai oublié de vous les montrer, mais c'est pas grave. Hein. Je vous les remontre là. Si vous allez à Thiers, ils sont juste à l'entrée sur votre droite. 2,49€ la bonbonnière. Les fameux verres colorés, verres à vin, 1,22€. Il y a le bleu, le rose et le vert. Ces pots de conservation avec le texte, 1,55€. Il y a bistrot, il y en a un où il y écrit cookie et l'autre il y écrit restaurant. Donc 1,55€. Moi j'aime beaucoup ces petites bouteilles, mais en fait je n'arrive pas à trouver une idée que conserver à l'intérieur. Peut-être que vous en avez une. Après moi je vois plutôt... pourquoi pas mettre des petits jus à l'intérieur, faire des petits jus maison et puis les déposer sur la table lors d'un anniversaire, milkshake, etc. On a ceux-là, alors ceux-là, bon, plus pot de conservation, 69 centimes. Et on a aussi dans la même gamme ces petits verres avec la hanse. Tiens, ils ont fait un réassort de ces assiettes Amélie Jones. Donc les grandes sont à 2,99€, les petites à 2,56€. Au niveau des motifs, on a ceux-là, juste avec les traits bleus. On a ceux-là, on a ceux-là avec les petites fleurs, et on a celle-ci.
C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo de ce matin. En fait, j'ai des commentaires sur mes fautes de français, mais en fait, c'est pas vraiment des fautes de français parce que je dis cela pour motif, parce que c'est un motif, et c'est là pour assiette. Donc c'est pour ça que des fois, je mélange un peu le masculin et le féminin selon le mot que dans ma tête je traduis en fait, enfin, où que je pense. Oh, le retour de ce set de couverts, 16 pièces à 6,39€, donc 4, 4 et 4. C'est un modèle vraiment très simple, hein. 6,39€. Il reste encore les couverts à salade à 2,49€. Alors il y a du vert, il y a du bois et du noir. Alors, je ne sais pas s'il reste encore un bois au hasard. Et ben voilà. Au niveau des couverts, les moins chers, c'est ceux-là. C'est un étui avec 16 pièces à l'intérieur à 3,99€. Il y a du noir, du vert, du bleu et du gris. Les fameuses pinces à servir à 91 centimes. Servir de la salade ou autre. Parce qu'à chaque fois, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous l'utilisez ou pas pour tout ce qui est chaud. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir répondu que oui, pour retourner un steak, une viande, etc. Mais il ne faut pas rester longtemps dans la poêle ou la mettre en contact d'une forte chaleur. Le retour de ces paniers à servir avec les quatre couleurs, hein, le noir, le cuivre ou rose gold, argent et doré, 99 centimes. Tiens, le retour de ce grand bac de rangement en bambou, il est à 3,49€. Alors c'est un bac qui reste pas très très longtemps dans les rayons. Vous êtes beaucoup à le rechercher, il est à 3,49€. Alors on peut mettre ça dans un tiroir ou il y en a qui mettent comme ça. Donc voilà, à vous de voir dans quel sens vous voulez le mettre. Il fait 32 cm sur 24, il est à 3,49€. Ensuite on a les petits, du même style, 1,22€. Donc voilà, on peut mettre son petit poivre, etc. Alors moi, ce que j'en ai fait, ce petit bac de rangement, c'est que je l'ai mis à côté de mon évier et j'ai mis mon éponge, j'ai mis, comment dire là, la pompe pour mettre le gel lavant pour les mains. Et en fait, ce que je voulais trouver aussi, c'est autre chose pour pouvoir mettre mon liquide vaisselle, donc quitte à en prendre un deuxième. Alors, je suis pas persuadée que ça va rester longtemps parce qu'en contact avec l'eau, mais j'ai pas trouvé autre chose pour le moment. Bon, pas trop de nouveautés côté décoration, donc je vous emmène comme ça avec moi avec ces plateaux à 8,88€, ces fameux paniers. Donc 3,79€ le petit, 4,95€ le moyen et 5,95€ le plus grand, ou 14,69€ le lot de 3. Il reste encore ces plateaux. Ceux-là à 8,95€. On a aussi en velours à 3,79€. Des petites boîtes de rangement imprimées orientales. Alors celles-ci, elles sont simples, il n'y a pas de miroir ou à l'intérieur. C'est un fond en velours à 2,95€. Et on a aussi ces petits plateaux avec les petites perles, les petits strass. Alors pareil, souvent, alors je me trompe entre le diamant, la pierre, le strass, etc. C'est ce que je dis toujours, essayez-vous de pendant une journée de faire plusieurs vidéos, vous allez voir qu'à la fin de la journée, vous ne saurez même plus reconnaître un caillou d'un diamant. Voilà, donc si parfois je fais des erreurs comme ça, c'est pas grave, le principal c'est que vous avez compris, vous avez vu ce que c'était. Et là, je vous ai montré le retour de ces petites boîtes de rangement, c'est des petites boîtes de rangement. Alors comment je vois, c'est pas trop mon style, mais pourtant elles ont pas mal de succès, donc ça va être aussi pour les décos, je pense anniversaire, mariage, etc. 1,49€, il y a celle-ci, il y en a plusieurs, hein, ça dépend de ce qu'il va y avoir vous dans votre action. Il y a celle-ci, 1,49€. Ouais, le retour de ces statuettes abstraites, 3,99€. Alors c'est des articles de déco, des petites statuettes abstraites qui ont vraiment pas mal de succès. On les avait eues l'année dernière et puis ça fait un petit moment que je ne les vois pas, mais dans d'autres enseignes, elles sont toujours en rayon. Là, elles sont à 3,99€. Alors pour l'instant, j'en vois qu'une, je vois que celle-ci. Mais la dernière fois, j'en vois d'autres. Il faut juste que je me baisse. Voilà, il y a celle-ci. Tiens, des nouveaux shampoings. Ils font 1 litre. Après-shampoing, celui-là. Je ne mélange pas. Donc il y a l'après-shampoing et le shampoing à la kératine. Donc 1,99€. Et puis il y a à l'argan. C'est reparti, shampoing. Après shampoing à l'huile d'argan, on a le shampoing et l'après shampoing à la kératine, et on a celui-là où elle balance shampoing et après shampoing. Donc
après shampoing, bah, c'est écrit là, mais sinon quand c'est conditionneur. Donc 1 litre pour 1,99€. Tiens, j'ai vu le retour aussi de ces pains de shampoing, donc c'est du shampoing sec. Par contre, je vois pas le prix, je m'en souviens plus, donc c'est du shampoing sec. Alors c'est bizarre, j'ai toujours pas testé. Mais en fin de compte, ça vous évite de prendre déjà votre grosse bouteille de shampoing. Je pense que ça peut être pratique peut-être quand, à essayer quand vous partez en voyage, pourquoi pas. Mais il y en a qui utilisent au quotidien ce shampoing comme ça en savonnette, hein, on va dire ça comme ça, en pain, voilà, c'est plutôt ça, en pain. C'est un peu comme les shampoings secs, vraiment, il faudrait essayer pour voir si ça peut vous convenir ou pas. Et c'est un shampoing en plus à vegan et à l'huile d'olive. Tiens, le retour de ces gommages pour le visage à 1,59€. On a la pastèque, kiwi et coco. Alors, petit conseil, hein, toujours le même. Hein. Utilisez du gommage pour le visage. Hein, parce qu'en général, le gommage pour le corps, alors, c'est pas toujours vrai, parce que des fois, on trouve du gommage qui fait visage et corps. Mais les grains du visage pour le corps sont un peu plus gros que le visage. Mais la peau du visage est plus fragile que le reste de la peau. Donc voilà. La petite nouveauté aussi, c'est ça, c'est cette crème pour le corps parfumée. Tiens, pour l'anniversaire, on a ça, c'est un rideau coloré. On a du bleu, on a cette couleur. C'est pas bizarre, c'est nouveau, j'avais jamais vu. Par contre, j'ai pas le prix. Ah, pour les petits, on a quelque chose qui est sympa aussi. Je n'avais pas vu depuis un petit moment, c'est ces guirlandes comme ça avec les animaux. À 99 centimes. On a la girafe, donc le crocodile, la girafe, le singe. Non, c'est le chien. On dirait en plus le chien de Toy Story. Et le chien là avec le ressort. Franchement, 99 centimes pour les tout petits, ils aiment bien en général. On aime bien leur faire des anniversaires sur les thèmes des animaux. Donc la girafe ou le crocodile, ça peut être sympa. 99 centimes, elle fait 5 mètres. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait un petit tour dans les sacs. Je trouve que c'est trop mignon ça, 25 centimes. Happy birthday, bon il y en a à regarder pour les petits. Des petits ballons. Après on en a une taille au-dessus, 35 centimes. On en a aussi pour les anniversaires. Franchement c'est pas trop sympa. Honnêtement vous allez dans une autre enseigne. Hein. En général on les trouve aux caisses et c'est entre 1 et 2 euros. Regardez celle-ci. Tiens, je suis en train de penser justement à Loblilou qui a publié une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'anniversaire de son fils Maddy, les 4 ans de Maddy. J'en profite, bon anniversaire Maddy, un peu en retard. Mais voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Allez, on termine par cet assortiment de petits chocolats, mix chocolat, 2,19€. Alors, je ne les ai jamais goûtés, mais il m'est arrivé de les offrir. J'ai un petit cadeau par sa taille, mais des fois c'est vrai que quand on a envie d'offrir des choses à des personnes pour leur remercier, mais on les connaît pas plus que ça, et c'est vraiment le petit geste, hein, ça peut être sympa. Ou tout simplement à la maison, de temps en temps se faire plaisir avec un petit chocolat. Et tiens, on termine par cela, les Curly, 99 centimes, alors j'ai goûté, et en fait c'est une barre comme ça de chocolat, et à l'intérieur il y a du caramel, et je vous disais, ça m'a rappelé les Nichoco, si vous connaissez les bonbons là, ça m'a rappelé ça. 99 centimes. Voilà pour cette première vidéo chez Action. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu, si ma chaîne vous plaît. Or pareil, même si elle vous plaît pas, n'hésitez pas à vous abonner puisque vous mettez je vois des fois des personnes, toutes mes vidéos, elles me mettent des commentaires pas trop sympas. J'espère que vous êtes abonné au moins comme ça. Voilà. Voilà, après c'est comme vous voulez. Bon, bien sûr, c'est avec humour, hein, même quand je vous parle des fautes de français ou des choses comme ça, c'est toujours avec humour. Moi, il n'y a plus rien qui me touche au niveau de la méchanceté. Moi, je sais que j'ai une super communauté, j'ai des super abonnés. Voilà, d'ailleurs, je vous remercie à tous d'être là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.